On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma pièce avec mes plantes. Bon, alors vous inquiétez pas, vous allez entendre Pacha pleurer. Son papa est parti à une visite médicale, donc monsieur pleure. Son papa est pas là, alors il pleure, il pleure. Voilà, il surveille la porte, il attend qu'il rentre. Mais bon, c'était le seul moment que j'avais pour faire la vidéo. Parce que le soir, c'est impossible parce que bah, il fait trop sombre. Et comme Chouchou n'est pas là, du coup, j'en profite. Je lui dis, tant mieux que tu pars. Je vais faire ma vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un plan de tour. Je le fais une fois par an, vous le savez. Pour vous montrer où en sont mes petites plantes d'intérieur. Donc bon, c'est jamais une longue vidéo, hein, mais je vous montre un peu ce qui, en un an, ce qui a changé. Non, papa, il est pas là. Il y en a pour un petit moment. Ce qui a changé, et si j'essaierai de vous dire en même temps ce qui est des plantes qui sont mortes, si je me rappelle. Voilà. Parce que bon, il y en a que malheureusement n'ont pas tenu le choc, ça arrive. Voilà, et je vais vous montrer les petites dernières, tout ça. Donc, allez, on fait le petit voyage dans la pièce avec moi et on se retrouve tout de suite. Alors, d'abord, cette petite plante-là, toute blanche, qui pleure, qui attend son papa désespérément. Ah, voilà, la deuxième plante, toute. Le petit rouquin. Ah bon, je m'en vais. J'ai pas envie de me faire filmer, je me casse. Allez, je vous fais d'abord un grand tour. Donc, vous savez que c'est ma pièce principale où il y a toutes mes plantes. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette pièce. Non, Pacha, s'il te plaît. Voilà, donc il y a mes oiseaux, il y a mes plantes. Hop, 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 hop. Voilà. Et ici. Bon, les orchidées viennent de perdre leurs fleurs, là. Malheureusement, c'est dommage. J'aurais voulu faire la vidéo avant. Mais bon, j'ai pas pu. Alors, je me suis fait un petit ponce-bête parce que retenir le nom de toutes ces plantes, des fois, j'ai du mal. Et puis, bon, comme il y en a des nouvelles, et puis souvent, bon, les plantes ont toujours des noms un peu bizarroïdes. S'il y en a certaines que je ne me rappelle plus ou que j'ai oublié de marquer sur mon papier, je vous le marquerai en dessous. Allez, la première, celle-ci. Bon, elle est là depuis que je fais les plantes tour. C'est un Dracanea. Désolée, on a déjà été coupé. Chouchou était en train de m'appeler. Donc je vous disais, c'est un Dracanea, donc c'est un double tronc. Donc je ne sais plus lequel, hein, parce que Dracanea, il y en a plusieurs sortes. À côté, alors, mon magnifique Pothos, je l'adore. Alors à la base, c'était un tout petit. J'essaierai de retrouver la photo quand je l'ai eue. Alors maintenant, il fait plus d'un mètre. Hein. Et encore, il y a des. C'est parce que je l'ai enroulé. Mais bon, lui, de toute façon, bientôt, il va falloir. Bon, là, ce sera au printemps. Parce que regardez, il a encore. Hop, hop, hop. Des lianes. Vous voyez?
Donc, il va falloir que je le rempote, que je refais. Je vais voir ce que je vais faire. En haut. Alors, ici, dans les petits pots, là, voilà. Là, il y en a un. Là, il y en a un deuxième. Alors, c'est des. Alors, où j'ai mis ça? C'est le bégonia maculata. Alors, c'est des boutures qu'on m'a données. Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. C'est des boutures qu'on m'a données, mais rien ne se passe. Pourtant, ils sont enracinés. Hein. Ils sont. Rien ne se passe pour l'instant. Donc, je vais laisser comme ça. On verra jusqu'au printemps, puisque de toute façon, ça ne. Ils ne pourrissent pas, ils ne font rien. Donc je vais laisser. Et si au printemps c'est toujours pareil, ben je vais refaire un rembotage. Et puis on verra. Là. En haut. Alors c'est ma Monstrea Monkey Leaf. Alors qui me fait des. Alors, des longues lianes. Alors, pareil, là, tout le monde se mélange. Hop, je vais essayer de la tirer sans la casser. Vous voyez? Donc, j'adore celle-ci. Vous voyez? Là, elle commence à. Bon, normalement, il faudrait que je la rempote pour que, plutôt pour qu'elle monte. Voilà, j'adore ces feuilles. Toutes trouées. Parce que là, comme elle descend, elle me fait des petites feuilles. Voyez. Et ah, une petite feuille jaune. Il faudra que j'enlève. Là, vous voyez, comme ici, elle est en l'air. Elle est déjà beaucoup plus grande. Donc, si je la fais monter, elle me fera des plus grandes feuilles. Voilà, il n'y a pas longtemps que je l'ai, celle-là. Mais alors, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Elle ne s'arrête plus. Donc, au printemps, c'est pareil, elle aura un rempotage. Ici, ah, la couleur ne donne pas pareil sur la deuxième coupure de vidéo, toujours par Chouchou. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, je vous ai dit, Chouchou, là, est parti à la clinique faire des examens. Il me téléphone, la première coupure, il m'a téléphoné. J'ai perdu mon ticket de parking. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bah, reprends-en un. Et là, il vient de me retéléphoner. Ça va, j'ai retrouvé mon ticket de parking. Oh, les hommes, je vous jure, mais je vous jure, les hommes. Enfin, allez. Là, maintenant, je pense qu'il ne va plus m'appeler pour me couper la vidéo. Alors, je disais donc, ici, c'est un Pothos Gold, Golden ou Gold, on lui donne les deux noms. Donc, il commence à bien prendre sa place aussi. Alors, attendez, hop, 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 ne viens pas te casser. Voilà. Il commence à faire ses petites lianes, tranquillou. Donc lui n'a pas encore rien. Oh, pardon, il n'a jamais été rempoté encore hein, tout le temps que je l'ai acheté. Donc au printemps il y aura droit. Alors là maintenant c'est l'hiver donc plus de rempotage. Pacha, pitié. Alors ici, tic tic tic. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit panier, les petits paniers d'action. Alors, c'est un quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai perdu son nom. C'est un Diefenbach. Non, c'est pas celui-là. Ou si, Diefenbachia, je crois. Enfin, je remettrai son nom. Celui-là, j'ai un doute. Alors, celui-là, je vois que là, il recommence à me faire un petit peu de jaune. Voilà, un petit peu de feuilles jaunes. Je l'avais soigné il y a quelque temps. Donc là, il va falloir que je le ressoigne. Vous voyez, il me refait les petites feuilles jaunes. Comment je l'avais soigné, ça marchait super bien. Marc de café avec du sucre en poudre mélangé.
autant de marc de café que de sucre en poudre. Donc j'avais fait 3 cuillères à soupe de chaque, donc mélangé, que j'avais mis sur le terreau, que j'avais gratté un peu avec le terreau, et légèrement arrosé pour que ça se dilue dans le terreau. Et j'étais tranquille un bon moment pour qu'il n'y ait plus de feuilles jaunes. Voilà. Mais là, bon, je vois que ça recommence. Donc, bon, et puis ici, maintenant, c'est vrai qu'il y a le chauffage avec l'hiver. Enfin, on est encore en automne, mais bon. Donc, je vais refaire un petit traitement. Je pense que ça va aller. Ah, je me fais une petite feuille, là. Oui, le bébé. Ensuite, alors, attendez, je vais passer. Oh là là, il y a plein de plumes d'oiseaux par terre. Là, Yucca ginseng. Donc ça, c'est une plante à chouchou. Mais bon, c'est moi qui m'en occupe. Vous voyez, avec son pied, c'est les yucca bonsaï. Alors lui, il avait perdu presque toutes ses feuilles. Mais là, maintenant, il pète la forme. Derrière, alors, voilà. Hop, hop, hop. Alors, je monte. Encore. Voilà. C'est un euphorbia. Alors, à la base, il était comme ça. Et maintenant, vous voyez. Bon, je voudrais qu'il grossisse. Mais bon, pour qu'il grossisse, il faudrait que je le mette dehors à l'été. Mais là, bon, bah, du coup, on verra ça cet été. Ici derrière, alors c'est une des dernières arrivées. Voilà, Ficus elastica, que l'on appelle le caoutchouc, que j'avais eu à Lidl. Non, Aldi. J'avais acheté à Aldi pour 9,99€, je crois. Voilà. Alors ça, j'en avais une, il y a... vous l'aviez vu il y a un an. Mais j'avais celui qui était blanc, l'élastica avec des taches blanches, qui n'a pas tenu le choc. Et j'ai l'impression que de toute façon, les plantes qui ont des feuilles avec du blanc dessus, c'est très 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 fragile, très difficile à tenir. Et là, bon, ça va. Ici. Alors, lui, c'est un... Calathea orbifolia. Voilà. Donc, celui-là, c'est... là, il me fait un petit problème, là. Mais bon. Et Calathea, j'ai du mal. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Donc là, j'ai dit, je viens d'en mettre un, d'en jeter un, il n'y a pas longtemps. Pas un comme ça, hein. Un autre. J'ai essayé de le soigner au maximum et tout. Il n'y a pas eu moyen. C'est le deuxième Calathea que je jette. Là, ça, j'ai dit, celui-là, on va voir s'il tient le choc. Si, il y a encore une feuille, vous voyez, il y a encore une feuille. Il faudra que je la coupe après. Voilà, il me fait une feuille jaune derrière, abîmée. Si il me fait encore des trucs comme ça qui ne tient pas le choc, je n'achèterai plus de Calathea. Terminé. Là, derrière, c'est quoi? Ah non, ça va. Alors lui, c'est mon Monstera Deliciosa. Voilà. Alors, le petit monstre, hein, comme son nom l'indique. Donc lui, il a bien repris quand on avait déménagé il y a 3 ans. Voilà, j'ai cru le perdre. Mais ça va, il a bien repris. Bon, là, c'est l'hiver, donc... bon, c'est l'automne. Il ne me refait plus de branches, mais au printemps, ça va redémarrer. Donc voilà. Pour le meuble, là, les petits osios. Alors, monsieur a perdu son frère il n'y a pas longtemps. Donc, le monsieur, c'est celui qui a les joues rouges. Donc, on a été lui rechercher, mais une madame. Donc, voilà la madame. Mais diamant mandarin. Donc, il a eu son frère pendant 3 ans.
mais son frère est mort. Donc on a été lui chercher une petite madame pour lui tenir compagnie, mais on n'a pas mis Denis parce que les mandarins, hein, on sait que là, les perruches. Alors madame, monsieur, qui c'est? Là, c'est monsieur. Ça, c'est monsieur. Si je me trompe pas. Ouais, ça floute. Et là, c'est madame. Voilà. Au passage, hein, je vous montre les bébêtes. Là, c'est les inséparables. Alors, eux, ils m'ont bien mordu, hein, surtout le orange. Parce que la cage s'était ouverte. Qui est monsieur, qui est madame? Je ne me rappelle plus. Je crois que le orange, c'est madame. Je pense, je ne sais plus. Et là-bas, on a. On a monsieur, donc je crois. Voilà. Allez, on est parti sur la table. Alors, une des dernières, c'est mon bégonia variegata. Magnifique, je l'adore. Très fragile aussi. Mon Pilea peperomioïde. Voilà. Donc lui, il est en train de me faire un petit bébé là. Donc j'y touche pas pour l'instant. Le bébé, on va lui laisser faire un petit peu sa vie et après je récupérerai pour le rempoter. Là, c'est un cactus. Alors les cactus, ne me demandez pas les noms, je ne les sais plus. Ça, c'est un cierge, je crois. C'est un cactus cierge. Alors, là, c'est des. Alors, j'ai du mal. C'est une Maranta kerkovena. Voilà. Bouture. Mais. Alors, une feuille pousse, une feuille jaunie. Voilà. C'est le même genre que les Calathea. On va voir hein, ce que ça donne. Comme ici, alors lui j'ai oublié, c'est Maranta aussi, je vous remarquerai le nom en dessous. Je croyais avoir marqué le nom sur l'étiquette, mais non, je ne l'ai pas mis. Donc c'est une bouture aussi. Les feuilles sont très jolies, j'aime beaucoup. Donc vous voyez la date, hein, c'est tout nouveau, tout récent cela. Là, une goutte de sang que j'ai eue par ma voisine. Donc c'est une bouture, pas une grosse bouture. Là, alors ça c'est une fougère d'oiseau, une Asplenium nidus. Voilà. Donc pareil, qui est là depuis pas longtemps. Et dans les boutures que j'ai eues il n'y a pas longtemps avec la Maranta, donc la même personne, Anoia carnosa tricolore. Voilà, alors ça va être très long à pousser, hein, je le sais. Donc, il me faudra de la patience. Voilà. Vous voyez, sa petite fleur. Il y a une petite feuille rose. Ça, c'est un bébé orchidée que j'ai eu à ma belle-fille. Donc, il fait sa petite vie pour l'instant. Là, celle-ci. La très grande, avec ses grandes feuilles. C'est une nouvelle également. Philodendron impérial green. Voilà. Donc, il m'a déjà fait des nouvelles feuilles. Et là, il est en train de m'en faire encore une. Ici. Voilà. Donc, je suis contente. À côté, c'est une des. Bon, à chaque fois, je vous dis, c'est une des dernières. Mais c'est vrai que. Le mois dernier, j'ai pas mal acheté de plantes. C'est un Syngonium aro. Ah, j'aime bien la couleur aussi, le dessin dans les feuilles. Là, celle-ci. Alors ça, c'est la plante dormeuse qu'on appelle ça. Alors celui-là, je l'ai mis où?
Alors, le nom est imprononçable. C'est un séténanteux Apan et Miana. Voilà, hein. Alors, c'est le même genre que les Calathea. C'en est pas un, mais c'est le même genre. Je vous remarquerai, de toute façon, je vous remarquerai les noms, hein, sur l'écran. Voilà. Donc, ça, c'est une plante dormeuse. C'est-à-dire que le soir, hop, toutes les feuilles se réunissent pour dormir. Voilà. Plante dormeuse ou plante prieuse. Voilà. Et derrière, elles sont comme ça, bordeaux. Donc, j'espère qu'elle va bien tenir le choc, elle. Là, la plante facile à tenir pour tout le monde, c'est la Zamioculca. Voilà. Elle, ça fait un moment que je... Oh là là, il n'arrête pas de pleurer. Ça fait un moment que je l'ai. Elle fait sa vie, elle. Pas de problème. Donc, sur la table, je crois que je vous ai montré tout le monde. Ici, alors des orchidées, une, deux, trois, une qui est en train de me faire une petite hampe qui aura des fleurs, voilà. Alors, je vais me reculer. Là, un dracanéa, mais un petit, un mini, ça chouchou aussi celle-là. Il n'y a pas beaucoup de plantes lui, hein, mais bon. Là, pareil, une orchidée. Alors, ça, c'est un frêne, un Radère Machera Sinica. Voilà. Mais alors, je ne sais pas, ça. Là, on dirait qu'elles sont sèches, les feuilles. Pourtant, le terreau est humide. Mais, voilà, je sais pas. Je sais pas si elle va durer. On va bien voir. Elle me fait une drôle de tranche, celle-là. Donc, je ne sais pas. J'en ai jamais eu comme ça. Mais bon, on verra. Ici, alors, elle m'en fait des petites feuilles. Hop, il y a plein de petites feuilles qui vont arriver. Là, là aussi, il y en a trois. Une, deux, trois. Et quatre. Il y en a encore une derrière. Voilà, donc j'aime bien ces feuilles aussi. Voilà. Là, il y en a des plus claires. Oh, c'est quoi ça? C'est une bébête? Ah non, je croyais que c'était une bébête. Alors, toi, tu es un Diephenbachia seguin camilla. Voilà. Là, j'ai encore un pothos. C'était avec une bouture, mais bon, il est mal placé. Hein. Là, il faut que je le mette ailleurs. Oui, il est à l'ombre. Donc, il faut que je le change de place. Là, j'ai une feuille de Sansevieria qui s'est fossilisée. Parce qu'elle ne pousse pas. Elle ne fait rien. Elle ne pourrit pas. Elle ne pousse pas. Elle ne fait rien. Voilà. Elle est dans son pot. Elle se dit, je suis bien dans mon pot. J'y reste, mais je ne ferai rien. Alors, dans ma fenêtre, voilà. Là, j'ai mon Sansevieria, voilà, qui lui, hop, grandit, me fait des pousses, tout. Et l'année dernière, il m'a fait des fleurs. Alors, si vous ne le savez pas, les Sansevieria peuvent faire des fleurs, mais il le faut une patience d'ange pour en avoir. Donc là, on désolé, hein, là, ça va te faire contre-jour. Cactus, c'est mon petit plateau de cactus à la fenêtre. Voilà, un petit aloe vera. Et là, une orchidée, je sais plus son nom. Je vais vous remettre le nom. Oh, il me fait pitié, mon petit chien.
Alors, dans ce coin-là, c'est terminé. Je crois que je vous ai montré tout le monde. Ici, alors les dernières orchidées arrivées, mais bon, elles viennent juste de perdre leurs fleurs. C'est terminé. Donc, voilà, elles sont dans des pots d'action, sur des lits de billes d'argile. Là, c'est un bébé de qui, toi? C'est un Diefang Bakia. Et tu es un bébé de qui déjà? Ah ben de celui-là, là, celui que je viens de vous montrer. Voilà, c'est un bébé de celui-là. Là, j'ai une misère qui fait misère. Elle porte bien son nom. Son nom scientifique que je ne connais plus. Je vous le marquerai. Là, alors, ma plante araignée, c'est un chlorophytum. Donc là, c'est le bébé. La grande est par là. Hop, attention, Pacha. Laisse passer maman. Donc là, c'est le bébé qui me fait plein de petits bébés lui-même. Mon yucca qui fait sa vie aussi. Là, c'est mon spatiphyllum, voilà, ou la fleur de lune. Voilà, les fleurs ont terminé. Là, les boutures. Bon, c'est la seule bouture que j'ai pour l'instant. J'en avais d'autres, mais je les ai envoyées à une copine. C'est de mon Noya Mathilde. Donc, vous voyez, on commence à faire ses petites racines. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller faire un petit pipi dehors. Allez, vous m'accompagnez? On va aller leur faire faire un petit pipi dehors. Par contre, on va fermer derrière moi pour les toutous. Oui, pour le chat. Allez, hop, voilà. Donc, voilà la plante araignée mère, donc le chlorophytum, donc ma plante araignée. Là, cette semaine, je vais couper toutes les tiges qui faisaient des boutures pour lui redonner un petit peu de vigueur. Parce que quand il y en a trop, ça prend toute la force de la plante. Et la plante, elle commence à vieillir. Donc là, je vais tout couper pour qu'elle reprenne un peu de force. Alors, des orchidées. En voilà encore. Donc ici, une avec une grande hampe qui va me faire des fleurs et qui me refait, regardez, une petite hampe, là, juste au-dessus. Oh, Pacha! 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 Donc là, une deuxième. Alors, ses feuilles font plus de 30 cm. J'ai mesuré l'autre jour. Là, encore une. Et des orchidées, j'en ai encore deux là. Bon, là, c'est des petites. Voilà. J'ai plus de fleurs d'orchidées en ce moment. Et ici, on va bientôt terminer. Donc là, je vous l'ai descendue parce que normalement, elle est en haut de l'armoire. Bon, faites pas attention à ce qu'il y a derrière. C'est mon nom, Hoya Compacta India Rose. Voilà. Donc, c'était une bouture à la base et commence à bien grandir. Voilà. Voyez. Donc, il n'a pas encore fleuri, hein. Pour l'instant, de toute façon, il ne fleurira pas encore ni cette année, et je pense pas l'année prochaine non plus. Hein. Les zoyas, il faut être très 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 patient. C'est une plante qui prend vraiment vraiment son temps. Hein. Et pour terminer, on va terminer sur mon Noya Mathilde, voilà, que j'adore. Que j'ai depuis 5 ans, je crois, 6 ans, qui à la base était une bouture aussi. Là, il a terminé ses fleurs, là. J'espère que ça ne va pas faire trop contre-jour.
Et voilà, je vais vous montrer les feuilles de près. Voilà. Vous voyez, quand ça fait ça, c'est parce que là, il y a eu une fleur. Là, il me refait des tiges. Il commence à reprendre de l'ampleur. Donc lui, au printemps, c'est pareil. Il va avoir droit à un rempotage. Peut-être que je vais le diviser. Je verrai comment ça se passera au moment du rempotage. Mais tu sais ouvrir la porte. Alors regardez, la porte est ouverte. Tu peux passer. Je vais... Voilà. Allez, viens. Oh. Hop. En même temps, vous voyez ma cuisine. Ma toute petite cuisine. Donc voilà, on a fait le petit tour ensemble. J'espère que ça vous a plu. La prochaine dans un an. À moins qu'il y ait des gros changements, mais... Oh là là, j'ai pris courant d'air là. À moins qu'il y ait des gros changements, mais bon... c'est vrai que ce genre de vidéo, je préfère vous le faire une fois par an. Comme ça... Ah, mais vous n'avez pas vu. Alors attendez. Je vous ai montré tous les oiseaux, mais je ne vous ai pas montré les canaries. J'ai oublié les canaries. Donc voilà. Hein? Alors, je ne sais plus qui est monsieur, qui est madame. Ça, c'est Chouchou qui le sait. Je ne m'en rappelle plus. Hein? Oui, ça va? Pas de cuicui? Pourtant, vous faites cuicui, hein? Donc voilà. Comme ça, vous avez tout le reste de la famille. Les plantes, les oiseaux, vous avez vu tout le monde. Et Pacha qui continue de pleurer parce que son papa n'est pas là. Ah mais son papa c'est lui, hein. Mon Dieu. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et un petit pouce au passage. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Bisous, bisous.